Respecter les protocoles sanitaires, définir les activités de la nouvelle saison en vue d'une série d'assemblées générales, telles sont les orientations du patron du département des sports de Pointe-aux-Noires au vu de la nouvelle saison sportive 2021-2022. Et nous avons donné des instructions que le protocole sanitaire que chaque ligue a reçu par leur fédération soit respecté. Et nous avons aussi demandé que la communication franche existe entre nous et les ligues. Sur les difficultés d'organisation de compétitions locales pour certaines disciplines, le directeur réplique. Bon, au niveau de Pointe-Noire, surtout les structures sportives comme le handball, le rugby, il n'y a pas trop de structures publiques. Et les quelques structures qui existent sont privées. Pour que nous puissions entrer en contact avec ces structures privées, on peut adopter une procédure telle que, ils demandent à la direction départementale, ils écrivent à la direction départementale et que la direction départementale passe par M. le préfet afin que nous puissions atteindre ces structures privées qui ont ces installations pour que l'activité se passe. Les représentants des ligues rencontrées se disent s'activer à entamer cette nouvelle saison. Nous avons procédé à un certain écrémage, nous avons déniché de nouveaux talents aussi. Et nous avons bon espoir, sans entrer dans les détails de la direction technique, que nous allons pouvoir aligner des athlètes de qualité et dignes de ce nom. Pour cette nouvelle saison, nous prévoyons des activités qui vont commencer là, comme la saison est déjà ouverte. Nous attendons au moins une semaine le temps de faire passer le message au club. Et puis la Ligue va présenter leur bilan d'activité de cette saison. C'est donc sous fond de Covid-19 que vont se tenir les activités sportives cette saison, voyant hors les terrains le public.